Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du tweak Flip Control Center. Ce tweak va vous permettre de rajouter des raccourcis dans votre centre de contrôle sur votre springboard ou votre écran de verrouillage. Vous allez donc avoir accès à divers raccourcis tels qu'activer ou désactiver la 3G, la localisation, la lumière de votre caméra, l'accès à votre réglage. Vous aurez vraiment de très nombreux raccourcis. Pour cela, on va se rendre dans l'application réglage jusqu'à la sélection Flip Control Center. Dans Active Switch, vous allez pouvoir activer ou désactiver les raccourcis. Pour les désactiver, rien de plus simple, on les glisse dans Disable, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et vous allez pouvoir également choisir l'ordre des raccourcis, de préférence ceux que vous utilisez le plus souvent en premier. Dans la deuxième sélection, vous allez pouvoir supprimer ces raccourcis lorsque vous serez sur votre écran de verrouillage. Si je coche Setting et Flashlight et que je me rends sur mon écran de verrouillage, je n'aurai donc plus accès à ces deux raccourcis. Voir que si j'appuie, rien ne se passe. Alors que si je retourne sur mon springboard, je peux activer de nouveau ces deux raccourcis. Et dans la dernière sélection, vous allez pouvoir choisir le nombre de raccourcis par page entre 2, 3, 4, 5, 6 et avoir le maximum, donc l'effet de page est retiré comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc c'était tout pour cette présentation du tweak Flip Control Center qui, je le rappelle, vous permet de rajouter de très nombreux raccourcis dans votre centre de contrôle. Vous trouverez Flip Control Center disponible gratuitement sur le repo de Ryan Petrich et il est compatible sous l'iOS 7 sur tous les appareils. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder mes deux dernières vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut !